Neuchâtel Xamax a commencé cette nouvelle saison par une défaite à Ville. Qu'avez-vous travaillé cette semaine à l'entraînement pour corriger et préparer le match contre Aarau? Je crois que si on regarde ce match contre Ville, nous avons eu vraiment un trou noir pendant 15 minutes sur la fin de la première mi-temps. Nous encaissons deux buts que je qualifierais d'inacceptables. Je crois que c'est surtout cet aspect-là qui aujourd'hui doit vraiment nous alarmer et nous faire comprendre qu'il faudra être différent sur le match contre Aarau pour réussir à ramener quelque chose. Donc je crois que plus que travailler sur le terrain, parce que dans le fond les séances d'entraînement, ces deux matchs ne sont pas nombreuses, je crois que c'est d'abord observer les choses et puis après c'est surtout une prise de conscience. C'est une prise de conscience parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter de prendre un but alors qu'il y a dans le fond un seul adversaire dans les 16 mètres entouré de 3-4 défenseurs. Donc ça c'est tout simplement inacceptable. Donc voilà, j'ai de mon côté montré ces images et je crois qu'aujourd'hui c'est une prise de conscience collective pour effacer ces trous inexplicables qui nous ont coûté les 3 points. Lors de la première journée, aucune équipe de Challenge League ne s'est imposée à l'extérieur. Est-ce que vous sentez une énergie différente chez les joueurs lorsque Xamax joue à la Maladière? Oui, bon, ça je pense que c'est propre à toutes les équipes. Il est clair que quand vous jouez chez vous, vous avez le public qui est là, vos supporters, vous connaissez l'endroit, vous avez évidemment des atouts supplémentaires pour être performant, mais je crois qu'aujourd'hui la saison elle se gagne sur les matchs qui sont joués aussi à l'extérieur et il y en a le même nombre que ceux qui sont joués à la maison, donc il faut absolument être capable d'avoir une adrénaline, d'avoir une motivation, d'avoir une concentration, une détermination qui soit la même quand vous jouez à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'uniquement miser sur les matchs à domicile. On se rappelle forcément premier match à domicile de l'année passée, contre Aarau également, avec un scénario complètement fou. À quel type de match s'attendre demain? Je crois que c'est impossible de définir le match de demain parce qu'en Challenge League, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Nous-mêmes, contre Aarau, la saison passée, si je regarde les 4 matchs, nous avons eu ce match fou à domicile où on perdait 2-0, nous avons fini par gagner. On a fait deux matchs à Aarau qui étaient des matchs très équilibrés, qui ont fini sauf erreur sur un score de parité, 1-1, puis nous, une fois, nous avons perdu 1-0, mais c'était des matchs extrêmement équilibrés. Puis malheureusement, ici, une fois, nous avons passé complètement à côté. Donc voilà, 4 matchs assez différents l'un de l'autre, donc je pense que c'est très difficile de prévoir en fait l'issue d'un tel match. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir une prestation contre une équipe comme Aarau, il faudra avoir un collectif qui soit fort. Et puis, il faudra que tous les joueurs se transcendent et donnent le 120% d'eux-mêmes.